Bonjour à tous. Alors, voulez-vous présenter un petit peu ce qui semble faire un tabac en ce moment, les hand spinners. Donc, moi ici, chez moi, ça commence vraiment à devenir très populaire. Alors, je me suis dit qu'il fallait que je m'y mette un petit peu à ma sauce. Donc, voilà, j'ai commencé par faire des modèles classiques. Donc là, je vous montre juste les châssis hein, que j'avais fait. Et du coup, il y a quelqu'un qui m'a demandé de lui faire un modèle personnalisé. Donc, il aime bien Mario. Donc voilà, j'ai fait un petit hand spinner sur le thème de Mario. Hop, pendant ce temps-là, on continue. Et le dernier que j'ai fait, ben, j'ai voulu en faire un Batman. Donc, il vient de sortir de l'imprimante. Donc, ce que je vais faire, c'est que ben, je vais installer les roulements. Et on va voir. Comment ça fonctionne, hein. Comment on le monte d'ailleurs, très simple. Donc j'ai pris des roulements avec 7. Donc voilà, j'ai a priori le calcul sur mes diamètres de roulement est plutôt bien, puisqu'ils rentrent bien serrés, sans jeu. Voilà. Et ensuite, ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre ces petits supports là pour pouvoir poser les doigts. Et voilà. Donc, alors juste un petit détail sur le support. Voilà. Vous pouvez voir une petite fente qui permet de l'insérer dans le roulement et de retirer à loisir. Et sur celui-là, vous voyez, c'est un petit peu concave, ce qui fait que quand on le pose sur le doigt, il reste bien en équilibre. Donc voilà. Bon, bah, il a l'air pas trop mal non plus celui-là. Donc voilà. Et tiens, une dernière petite coque que j'ai faite qui devrait plaire aux fans. Voilà, avec l'utilisation du color print, encore une fois. Voilà, merci à tous et à bientôt. Ah, juste un petit aparté, donc comme je le signalais dans les commentaires, la vidéo concernant la calibration XYZ a été supprimée donc par YouTube. Je comprends pas trop pourquoi. Donc a priori c'est non-respect des règles de la communauté. Alors pourtant c'est une vidéo qui ressemble vraiment aux autres en tout point. Donc bah, écoutez, je vais essayer de régler le problème et puis de la poster dès que tout sera réglé. Voilà, je vous remercie, à bientôt, au revoir.